Mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus. Bonjour aux Troublés, aux Grosses Polices, aux Djoubsen, au comité de la Royal Maldivienne, ainsi qu'aux représentants de nos sociétés. Merci aux musiciens de la Royal Émulation de Stavlo qui viennent ouvrir le Poirmet avec nous. D'abord remercier le Troublet sortant Lota Fagnoul pour nos 2 années d'amicale et agréable collaboration. Si le Troublet a aujourd'hui un autre visage, c'est suite à l'application de la dure loi de la royale malmédienne qui veut qu'après 2 ans, tu t'offres. Ça permet, nous disons, d'instaurer une tournante et de confier à la fonction à un plus grand nombre de membres méritants de la société. C'était une bonne idée qui, d'ailleurs, est d'application depuis des années. Mais qui doit quand même... Mais qui doit quand même coûter cher à la société, qui doit continuellement faire réadapter la taille du costume... La taille du costume à celle de celui qui va le porter. On imagine mal, en effet, Mark Brewer dans le costume de Robert ou de Manu Dué, ou Marc Distré dans celui de Luc Persa. Ainsi, puisque la malmédienne retrouve tous les gabarits, je me demande si la solution à long terme ne serait pas d'instaurer des cycles. Un cycle de petits gros, suivi d'un cycle de grands maîtres, puis de grands gros, et ainsi de suite jusqu'à ce que toute la société y soit passée, et puis on recommence. C'était juste une parenthèse. Venons-en au sujet. D'abord, je constate avec plaisir qu'il fait beau, et bien que le climat n'ait jamais entamé l'ardeur carnavalesque des Malmédiennes, le Poirmet est plus agréable à vivre sous le soleil que sous la pluie ou la neige. Mais par ce beau week-end qui se prépare, je ne peux m'empêcher d'être un peu triste, parce que, en vertu de l'alternance climatique, l'alternance climatique que nous connaissons généralement, il risque de faire moins beau au l'État. Cela dit, je souhaite une cordiale bienvenue à notre nouveau Troublet. Troublet, tu joues un rôle dans notre folklore. Mais tu pourrais cette année avoir un destin exceptionnel. Si après des informateurs, préformateur, médiateur, facilitateur, explorateur, accommodateur, clarificateur et négociateur, on avait besoin d'un pelleteur, tu pourrais, grâce à l'outil que je vais te remettre, être l'homme de la situation. Si tu étais appelé, mets tout de suite ton bon costume rouge et surtout choisis bien tes Djoubsen. Prends avec toi, pour essayer de convaincre tes interlocuteurs, une Djoubsette de fort tempérament qui n'a pas peur de retrousser ses manches et un petit Djoubs durable, mystique et malicieux, mais évite en tout cas dans un premier temps tout Djoubs bleu. Et si ta mission devait échouer, fais savoir à qui de droit qu'il nous reste, ici à Malmedy, encore bien d'autres ressources. Après le trouveleur pelleteur, nous pouvons proposer un plongeur, un coiffeur, un pierroteur, un veilleur, un sauteur, un long ramoneur, un harlequineur, un long dresseur et un savage cailleur, sans compter
des compagnies entières de rôles. Ce qui est des rôleurs, soit prudent avec ceux de Bellevaux et ne les montre à personne. En effet, ils sont capables de n'importe quoi. Mesdames et messieurs, il me faut maintenant vous faire part d'une information que j'ai trouvée dans l'agenda des loisirs, spécial carnaval de janvier-février 2011, ainsi que dans le bulletin de la confrérie des Blancs Moussis de janvier 2011. J'y ai lu quelque chose d'inquiétant relatif à la sortie des Blancs Moussis du dimanche de carnaval, une sortie qui devrait donc avoir lieu demain, le 6 mars. Je vous lis l'information. La sortie consiste à se former en petits groupes de 6 ou 8 Blancs Moussis, en une seule file, de suivre une personne, d'imiter parfaitement ses faits et gestes, et surtout de grogner fort, beaucoup et souvent. Sauf pour ce qui concerne les grognements, ça rappelle quelque chose qu'on a déjà vu, et j'espère que ces Blancs Moussis d'une variété nouvelle ne vont pas en plus se faire payer à boire, car ça pourrait conduire à la catastrophe. Je m'explique. Dans un premier temps, abreuvé rapidement, les Blancs Moussis entreraient évidemment dans une nouvelle phase de multiplication. Et ils seraient vite à l'étroit dans leur ville natale. Dans un deuxième temps, et dès qu'ils se trouveraient plus suffisamment de stablotins pour leur payer à boire, ce qui ne devrait pas tarder à arriver, ils s'exfiltreront vers le menu. En effet, on sait que les flux migratoires pour des régions arides et inhospitalières pour des régions arides et inhospitalières vers les terres fertiles et accueillantes. Et dans un troisième temps, vu la facilité de pénétration liée au Ravel, ces Blancs Moussis mutants dépasseront Malmedy pour aller coloniser Wales et même des régions plus lointaines. Et peut-être même abandonneront-ils un jour leur grognement pour crier « Voilà ! Voilà !» Si les Stablotins nous avaient parlé de leur projet, nous leur aurions fait une autre proposition. Nous qui leur avons déjà prêté la vessie de bord de nos verrues, ainsi que l'outil de nos longs rameaux, et même notre Jimbo, nous leur aurions cédé une partie de nos 67 compagnies de long nez. Ainsi, au lieu de copies, ils auraient eu les originaux. Un tel transfert nous aurait allégé et aurait mis un peu de couleur dans les rues de notre ville sœur. Pardonnez-moi d'avoir été si long. Il ne me reste que deux petites choses à vous dire. Vous savez certainement que le syndicat a pris l'initiative d'organiser le cortège 2011 à l'envers. Beaucoup de Malmédiens se demandent pourquoi et on comprend les deux vies roucards qui ne voient pas comment le fait de tourner à droite plutôt qu'à gauche empêchera les trous dans le cortège. Je risquerai donc une autre explication. Pour moi, ils ont mis le cortège à l'envers pour avoir le plaisir de le remettre à l'endroit l'an prochain. Tout rentrera donc dans l'ordre, mais comme ils sont obsédés par les trous, ne risquerait-il pas d'interdire un jour les chars motorisés pour éviter les trous, cette fois dans la couche d'ozone, et d'essayer de nous priver pour cause de carnaval durable du brûlage de la raquette.